Ci sama gannaaw man ngeen gis monseigneur Benjamin Ndiaye mu tok mi ngi waxtaan ak courelu paroisse bi xam ngeen ne tay lañuy xumbal Yesu Christa bour donul bour ni bouru aduna si waye da don bour buy sourgawu ñep lool la monseigneur nekkon di agali filé ci gox goxani dalé ko alhamis ba tay diber mi ngi fi ci joyine ba mu accé itam ci alhamis lan la ñëk def moy duggu ci jangu bilé dënk yalla li di tankam filé ci gox goxane yi li di tankam filé ci joyine rawatina ba mu ñaané ba sotal mu tok itam waxtaan ak labbe yi nga xamné ñom la dënk li di liguey bi fi ci joyine mu tek ci itam dem keur sœur waxtaan itam ak sœur yi bañu ñaané ca ngon sa ñu dem noppalu ca aljuma ñu xey di daw dalé ko ca suba ba ca ngon jaar nañu filé di keur sœur itam jaarat fofu jaar ci école maternité manam préscolaire jaar ci école primaire ou joyine jaar ci lycée joyine ci lycée ba nak lepp soti wul nya fi dekk ñu ngi jëm waye soxla nañu nguur gi itam sob loxom ci lepp li ñu nekk di yobbu ndax mu antu ba monseigneur joggé lycée nak
dem na ca diwanu wanjana wanjana don village manam gox ko xamne la ta ngay aksi fi join fofu ngay ja fofu ngay ñëkke ca wanjana ñoñu contane dalal ko mu tog ak ñom waxtan ak ñom jéggelen rawatina mu barké sen jangu bu bes ay nit ñu bax ñow ci def sen loxo ndax wa wanjana man di jaamo yalla ni mu waré bañu joggé wanjana fekk ñu añak ñom ba paré parce que nañu wax né monseigneur fep fi mu dem da nek itam di seddo lepp ak ñafa dekk bañu añé ba paré wanjana monseigneur delu ci fi join lata muy dem jaarer ci diwanu jaarer ci jaarer itam jang na ñaarelu mes fofu ci ngon sa et puis ci goudi la delu ci fi join ndax noppalu touti bok jam ak ñi mu sante ñu dënk leen liggey bi fi nek manam labe Yves Ndeki abe Yves Ndeki nak doon borom keur fi mankagne la waye demna ba di lak serer ak labe Jo ak labe Alexis Simon ñokoy jappalé ci liggey bi ñu doon équipe sacerdotale équipe pastorale filé ci join samedi nak la équipe Radio Espérance ak Jour du Seigneur ak ñepp ñi nga xamné ñoo and ngank li di média yi ñoo fi join ndax fessel lolulé ndegem monseigneur ci li ñuy wax charpente orientation pastorale bëgg na ñu gëna jégué population yi seddo seeni mbekté ak seeni choono aj lolou yépp ci sunu ngam ci Yesu Christa borom jamm ji borom jamano yi ca samedi ba ñu xey ñu ñepp and ci yenen gox goxane dem nañu filé di gadiak bañu joggé ca gadiak dem nañu ci mbélongoul ñu am jangu bu bess itam ñu ngi dakantal église bobu Daniel Brochet bienheureux Daniel Brochet wa tougal la waye ñew na fi bok ak ñun wax suñu lak lek li ñu li lek jégué su population yi tam ba tabax cathédrale Dakarou Daniel Brochet mo initié collecte bobulé ndax cathédrale Dakarou mëna taxaw Daniel Brochet nak la waw mbélongu tudé seni jangu bi monseigneur fofu la yendu jang mes barké jangu bi agn ak ñom tog ak ñom waxtan ak ñom ñepp fofu daldi contane diko ñaanal di rafetlu itam initiative bobu mu jël ñew ba ci digu sin hein di wax fune djégué nit ñi waxtan ak ñom soppaleen voilà ndax nguuru yalla rek gëna jëm kanam bañu joggé mbélongu nak ñu continuer ci diwan bi ñuy wax ndox ca ndox itam amna teranga bu reuy biko doon xaar ay jigen di ñew dajé ak mom di fecc di ko woyal hein ndax rek contane ca ndox toujours waxtan na ak ñooñu le fu mu dem dal tok waxtan man nañu japp itam ne ca diwan bi taxul ñu am lu bëri ñepp amuñu waye ku nekk ci ñoom la la yalla sedd lolu ngay fexé seddo ko ak kilé di monseigneur ñew gané ci len may nañ ko bisab may nañ ko buy may nañ ko ñëbé may nañ ko dugub may nañ ko sax xaaliss té taxul ñu bëri le alors ñun ñëpp ku nekk ci lamu am mën na ci jappalé sa morom ndax ñun ñëpp ñu and jappalé yalla ndax nguuru yalla mëna gëna sax ci aduna silé bañu joggé ndox ñu continuer ci ben village pour reuy itam buñu tuddé Toukar ci Toukar itam teranga gu reuy hein ndënd yi ak lepp dara manké wul waaw monseigneur sonna xayna wayé choono jamm namul dara waaw nit ñi itam sonna nañu ci waaj bobulé wayé choono jamm ba légui alors ci Toukar itam ay guné ñoko téru ay guné yu ndaw solo ni ñuy solo fi ci diwan bi rek téru monseigneur jox ko sax ab bible nak xam ngeen né moy kaddu yalla yalla ci bopam ca domam Yesu Christa ñew sango sunu yaram doon nit mom moy kaddu gi monseigneur itam tok fofu lang ak ñooñu
waxtan ak ñom leral len ci ay laaj yo xamne xayna dañ koy laaj ci sen ci sen digante waye duñu am ay leral yu doy monseigneur itam deglu len ñom ñep jox len ay leral ci question yi nga xamne lool lañu poser jëmele ko ci jangu bi wala ci dundu aduna rek la tañuy joggé tuka goudi wonna danaka waye téréwul monseigneur mu continuer ñu dem ci diwan bi ñuy nan ngayo xem fofu lañuy sotale nak bis bi diber ñuy xumbal Christa bour Yesu Christa bour aduna si Yesu Christa borom ciofel gi Yesu Christa borom jamm ji Yesu Christa ci mom lañu gëm lepp limu def ak limu wax ñu farlu ndax agaliko ni mu waré monseigneur ci tank yoyu la taxaw ci fi ci join fi tay diber bëggon na sotal lepp li nga xamné sobu na ci andak labé yi nek fi té abbé Yves Ndeki don séni coordinateur séni curé séni njit alors tay jilé communauté yépp ño fi dajé fi ci join ci église Saint-Esprit dajé fi ak messe bu rafet rafet ak prédication bu xoot monseigneur lepp li mu seddo ak wa gox koxan yi ñew tank ko filé ci omeli bu riche ci omeli bu am solo alors c'est do bobulé taxna ba xol wa join gëna ubé ku sen xol neex hein ñu gëna farlu ci ligéyu jangu bi ubi mouvement yi association groupe d'apostolat lepp li nga xamné day fessel kaddu Yesu Christa ci bir aduna si gis ngeen sama gannaaw ñu ngi nek di waxtaan itam ak mouvement yoyu ak conseil paroissial ndax xol naka lañuy def ndax jangu bi le fi ñu nek ñu mën ko yaatal parce que xatna fi mu nek ni communauté bi reyna reyay go xamné bon mënatul agali ñep ñi joggé ci join rawatina fête bu amé ñi joggé ci gox goxan yi ma lim légui ñew fi ndax jaamu seeni borom mbokk yi li lañuy dakental li lañuy tuddé visite pastorale ci pastoral man ngeen dégg pasteur té pasteur diocésain bi moy sam kat ki nga xamné yalla suñu borom mo ñu ko may ci nitéfu monseigneur Benjamin Ndiay mom moy labbé bu mag bi fi ci Dakarou té labbé yépp ci mom lañuy xol té lolu ci solidarité ak ci benno alors lolu lay dox jëmele ko ci ñëpp ñi nga xamné ñu ngi jaamu Yesu Christa ñëkke ko ci mom hein ki aduna silé don sédem sédé dëgg sédé yoon itam ci at bi ñu wara taxaw ci li di dund visite pastorale manam yëg ñi nga xamné Yalla mo la ko deunk lolou di waru garam mu koy dox way lolou itam di xolam xol bu rafet xol bu soufelu xol bu jege nit ñi ñun ñepp jangub Dakarou and ak monseigneur yi nek ci Sénégal te di dox ay doxalin yu ni mel ñu and di len di ñaanal ñu and itam gëna gëstu li di benno solidarité ak unité mbokk yi join de ku ciosan la
joyine deku ngam la ñi fi dekk ngam gi tambalé wul tay ngam gi yag na fi waye lu mu yag du paré mok di jankontel ay jafé ngam gogu ñu wax ko sétal monseigneur ci seddo bi mu seddo ak wa joyine woral nako itam delu sina ci té léral ko lépp li nga xamné day indi waranté diganté ngam ak ciossane ngam gi nañu gënal nañu tan ngam gi tay moy 24 novembre bi nak moy anniversaire ordination épiscopale monseigneur Benjamin Ndiaye té lolu du hasard lolu mbirum yalla la ñu and ñun ñëpp diko ñaanal yalla may ko wërlé may ko gudu fan may ko mu mëna dox ay doxalin yu ni mel ay atiat mi ngi bok anniversaire bi ak cardinal sa nañu xamné évêque Kaolack yi faral nañu di len di fal le 24 novembre donc itam ci bëss bi ñuy yéné cardinal sa jam diko yéné wër gu yaram diko yéné gudu fan ak mom évêque Kaolack tay monseigneur Martin Boukartine bok ak ñom bëss bi ñukoy ñaanal itam yalla may ko ndam fele ci Kaolack ba mu nek outu fofu ki tok fi tay Dakarou c'est un honneur qui nous a été fait par son excellence l'archevêque de Dakar de venir ici chez nous à Joyine dans la commune de Diarère mais également dans le Sine. Tout à l'heure il me disait que Joyine, tout est parti de Joyine mais le fait aussi de l'avoir parmi nous en plein cœur du Sine et pendant, si je ne m'abuse, 2 à 3 jours est très réconfortant. Ça nous aide, nous autres paroissiens de la zone, nous aussi fidèles chrétiens, de voir le chef de l'Église catholique venir en parfaite communion avec ces populations-là. C'est des moments d'échange, c'est des moments de prière, c'est des moments de partage, et je pense que les populations apprécient et apprécient énormément. Ce qui justifie d'ailleurs notre déplacement. Quand nous avons été informés, nous sommes dit, mais écoute, il faut qu'on vienne lui dire bonjour, mais également tendre nos mains et solliciter des prières. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons vraiment eu pour cette visite pastorale de Monseigneur et dire que c'est des moments, une fois pour toute la communauté chrétienne, d'exprimer vivement leur foi, mais également de partager des moments importants avec Monseigneur. Et nous avons eu également de très bons échos. Je n'étais pas là au début, mais j'ai suivi de très près toutes les rencontres qu'il a eu à effectuer avec les communautés chrétiennes à Diarère, ici, vers Gadiac, dans Longayorhem, partout. Et je pense que c'est des actions très importantes pour la communauté chrétienne ici, mais également ça ne fait qu'encourager toutes les personnes qui sont autour de l'Église. Si je dis toutes les personnes, en dehors du curé, des, en tout cas l'abbé qui sont ici, je pense que c'est important également pour les catéchistes, c'est important pour ceux qui gèrent tout le quotidien du fonctionnement de l'Église ici à Joyine, à Diarère, dans tous les villages. Et c'est le moment de remercier vraiment Monseigneur pour cette initiative noble, mais également le remercier pour tout ce que l'Église du Sénégal est en train de faire pour l'éducation de la jeunesse sénégalaise. Magal ci bir Senegal ñu di la tagas Yesu di la gëreum ndax yow rek ya ko yé lol. Hallelujah.
Yesu tay ñu ngi andak Sénégal bëpp di la magal di yëkëti sa tour Yesu di wax né ya di buri buri ya di almasibi ya di yalla ji kawé bi Yesu alléluia bëkté la ñu di la magal Yesu bëkté la ñu di la tagas bëkté la face à une recrudescence de l'hostilité mutuelle, de l'injustice et de la violence en son temps. Un message d'avenir jaillit des lèvres du prophète Isaïe. Le Seigneur rassemblera toutes les nations pour jouir de la paix éternelle au royaume de Dieu. Cette promesse a une résonance intemporelle. Elle retentit aujourd'hui encore dans toute son acuité. Elle grandit et s'affermit dans le cœur des fidèles, donnant le jour à une espérance de plus en plus inébranlable. Promesse d'un avenir, qui est un pur don de Dieu. Cependant, un don qui convoque notre effort personnel et communautaire. En effet, l'avant est aussi ce temps où Dieu attend tout de nous. Les propos d'Isaïe ont l'allure d'une convocation solennelle des peuples nombreux, sans distinction apparente. Un appel à converger vers le Seigneur et vers le haut lieu de sa présence, dans le but de connaître ses chemins et de suivre ses sentiers. Il nous invite en outre à marcher à la lumière du Seigneur. Marcher à la lumière du Seigneur signifie, dans l'entendement de l'apôtre Paul, fuir toute activité des ténèbres, c'est-à-dire rejeter absolument tout ce qui peut retarder en nous et dans le monde la venue du Fils de l'homme. Paul préconise pour cela que nous puissions mener une vie honnête, pondérée et paisible, loin de toute insouciance, de toute injustice, de tout excès, de toute querelle, bref, de tout enténèbrement dans la nuit du péché et de la mort. Telles sont les mesures de la nouvelle arche qui nous sauvera des eaux de nos déluges modernes. Quelles consignes nous sont données par Jésus dans notre attente de l'avènement du Fils de l'homme? La première est de travailler. Travailler à retrouver l'essentiel, évitant ainsi de tomber dans une distraction, une imprévoyance ou une passivité qui peut être fatale. En effet, vivre aujourd'hui comme à l'époque de Noé, autrement dit, en ne se doutant de rien, dans l'assoupissement absolu et l'oubli de Dieu, paraît comme un anachronisme insensé. Tous les jours, le Seigneur nous fait des clins d'œil salvateurs. Que nous soyons au champ ou au moulin, sa présence se fait plus intense et son appel plus pressant. Nous tenir prêts pour l'avènement du Fils de l'homme. Des mots qui nous encouragent à rester vigilants, prévoyants et attentifs aux multiples passages de Dieu dans nos vies. En fait, il est bien là, mais c'est nous qui sommes souvent ailleurs. Dieu est bien là, mais c'est nous qui sommes souvent ailleurs, dans les comportements qui nous détournent de lui et des autres. Aujourd'hui, Dieu offre à nouveau du temps pour revenir, pour se remettre en marche et pour retrouver le sens de l'espérance. Au seuil de ce temps de l'Avent 2019, demandons avec insistance la grâce d'aller avec courage sur les chemins de la conversion à la rencontre du Seigneur, afin que nous puissions être appelés à entrer en possession du royaume des cieux.